Chaque jour, plus de 2 500 élèves transitent par cette place pour rejoindre leur établissement scolaire. Le lycée est juste à 5 minutes à pied. Allez, je t'accompagne pour le chemin. On quitte la place des Gards et on se dirige vers le collège Sacré-Cœur. Puis, direction la place de la mairie. Que nous traversons. Avant d'arriver, rue du Général Dubreton et l'entrée des élèves qui se situe au fond du bâtiment. La première entrée est réservée aux personnes extérieures au lycée. Dès que tu passes la grille, tu as sur ta droite donc le bureau de la vie scolaire, qui est en charge de la partie administrative, de la gestion des absences, des retards, des admissions à l'infirmerie, etc. Te voici maintenant sur la cour du lycée. Le premier jour, tu trouveras sur la cour différents panneaux d'affichage t'informant de ta classe. Je te présente les différents bâtiments qui t'entourent. Le bâtiment A qui se situe derrière la statue de Jean-Marie de Lamennais. On y trouve des salles de sciences, d'art et d'histoire. Le bâtiment D qui est perpendiculaire au bâtiment A et qui remonte la rue du Général de Breton. Ce sont des salles de cours. Le bâtiment C, c'est l'administration au rez-de-chaussée, la salle des professeurs au premier étage et au deuxième et au troisième étage des salles de cours et des salles techniques. Voilà, le bureau des deux CPE qui donne directement sur la cour du lycée. Dans le prolongement du bâtiment C, tu trouves le bâtiment F que tu n'aperçois pas. Ce sont des salles de classe. Enfin, pour terminer la cour, le bâtiment B, où se trouve la cuisine pédagogique, le CDI, des salles de cours standards et des salles techniques. Sous le préau, c'est l'entrée du self. Une dernière vue des bâtiments, avec dans ton dos l'amphithéâtre, où tu vas être accueilli par Mme Callas et son équipe de direction pour la présentation de début d'année. Ne perds pas de temps!